Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne PsychoVie d'Afaniel. Un grand plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, je vous apporte une vidéo très intéressante basant sur quelques maladies que le sexe peut guérir. Ça veut dire, je dis, moi, pour te une vidéo concernant trois maladies, mais il y a plus de ça. Moi, je mentionne trois maladies pour nous que fait bagaille capable guérir. Ça veut dire, normalement, fait bagaille, c'est un bagaille. Alors, fait bagaille, c'est un bagaille qui est très intéressant et que Dieu nous a envoyé pour ça. Et comme je vous ai dit tantôt, il ne faut pas faire le contraire de ce que Dieu veut de nous. Ça veut dire, normalement, nous devons rester en bas, contrôle, Seigneur, et puis avec tout ça que l'idée nous fait, pour nous faire effort, pour nous appliquer. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Et normalement, restez sous chaîne. Hein? Mais il ne faut pas oublier d'abonner, partager, et puis donne-moi, si moi je veux ça, moi je ne veux pas ça, moi je veux ça, un like. Voilà, et c'est parti. Moi remercier nous tous parce que nous gardons vidéo yo, nous partager puis nous commenter. Vraiment moi senti moi content en pile. Je dis nous gagnons trois maladies, gagne pile lui mais nous seulement souligner trois pour et nous pas qu'un beau trop longue. Et que sexe capable guérir. L'eau fait bagaille, maladie ça yo mon cher ou vraiment libéré de yo même. Nous parti. Maladie numéro 1, tête fait mal. En français, on peut dire, on peut avoir maux de tête ou migraine. Tête fait mal, ou bien créole migraine, c'est, il y a plusieurs types de tête fait mal. Il y a une tête fait mal céphalique, qui vient pour avec grande tête ou qui fait mal. Et il y a une tête fait mal visionnelle. Par exemple, si on monde gagne un problème de vision, ça veut dire un problème dans les yeux, ben il est capable bali douleur tête fait mal. Et toutefois tout ou gagne une fonction qui mal ou bien ka gagne une trajectoire qui mal retracée, que ce soit par les neurones, et ben capable bon, tête fait mal. Et migraine, il plus gagne pour avec une douleur céphalique. C'est ça qui fait lien intéressant pour pas courir à boire n'importe médicament lorsque vous avez une tête fait mal. Il faut que vous connaissez quel type de douleur que vous avez, si c'est céphalique, si c'est visionnel, parce que si vous avez une tête fait mal qui c'est géo ou un problème dans le qui eh bien, vous avez un comprimé sous le bras ou fait. Moi, plus conseillé vous à joindre un médecin ou pour qu'il soit capable de diagnostiquer et puis pour qu'il soit capable de faire un médicament qui correspond à type de douleur ça. Lorsque tête fait mal, ou fait bagay, tête fait mal la passé. Ou quand pour qui ça la passé, c'est parce que, et substance que ou libéré, que moi toujours dis nous ça, des molécules du plaisir, qui c'est dopamine et sérotonine. Et tête fait mal là, la passé, peut-être li capable recommencer dans demain, mais immédiatement ou fin fait bagaille la passé li obligé passer parce que li produit fait sexe là li produit un effet de placebo. C'est même j'attends pour tabre un comprimé et comprimé en li monter à un niveau et puis li réagit sur organisme là, ça a l'effet de placebo, mais ça pas veut dire c'est douleur qui guérit. Et normalement et placebo li subit pour li passer en l'air l'effet sur l'organisme permettant que douleur ou pas sentir et puis pour que construit céphalique là ou bien problème ou gain incapable gain reprendre fonctionnement li comme ça doit. Deuxième maladie, c'est anxiété. On parle de l'anxiété, c'est normalement quand le corps réagit face à un danger.
À partir de là, ou face à un problème quelconque, ou dans une situation quelconque, à partir de là, le corps réagit. Maintenant, l'anxiété, il compte faire plat main, ou bien la paume de la main, et il est capable de suer. Anxiété, qu'a fait ou trembler souvent. Anxiété fait que, ou pas gagner, ils ont capacité pour penser, parce que il réduit, la capacité de penser. Normalement, le cerveau ne fonctionne pas à 100% quand on est anxieux. Ce que normalement, les ou fait bagaille ou bien fait sexe, eh bien, les guérit ou des anxiétés. Pourquoi? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des hormones dégagées durant ce rapport sexuel, des hormones qu'on appelle endorphines, et c'est ça yo qui... Ce sont des hormones d'antidouleur. Immédiatement que vous gagnez anxiété, eh bien, si vous pratiquez la relation sexuelle, mais bien entendu, avec votre femme. Je le dis toujours, ok? Des relations sexuelles avec votre femme, votre épouse et votre époux. D'accord? Parce que là, nous sommes là pour la vie sexuelle légale. D'accord? Ça veut dire, si c'est femme monopole, bras, mon cher, eh bien, douleur, il n'est pas passé parce que quel wap sauté ou pas bleu ou nek fia qu'on est pour le barrer ou tout ça, eh bien, ces problèmes vont augmenter. Et anxiété, nous avons parlé de stress tout. Et si vous rappelez, si nous songez bien, dans une de mes vidéos, je vous ai parlé des trois techniques, des trois facteurs qu'il faut prendre en main ou en charge pour durer au lit. Ça veut dire. L'ostressé, ben, il est difficile pour que vous capable bail quantité rendement. Mais normalement, de l'anxiété, le stress, le sexe peut vous aider normalement à libérer des hormones antidouleurs qu'on appelle endorphines. À partir de là, eh ben, anxiété, on va guérir de lui. Voilà, vont très vite, comme je vous ai dit tantôt. Nous pas le dire ou trop. Voilà. Et maladie numéro 3. Maladie numéro 3, c'est l'insomnie. L'insomnie, c'est un trouble de sommeil. Normalement, et quand il y a un monde qui n'a pas dormi, il pas comprendre que si c'est un trouble de sommeil que lié, eh bien oui, c'est un trouble de sommeil. Un trouble de sommeil. Ou couché sous cabane, ou pas qu'à dormir, mais d'où vient le sommeil? Le sommeil n'arrive pas, et comme je vous ai dit tantôt dans une de mes vidéos, moi j'ai parlé de combien de types de sommeil, il y a un sommeil lent, léger, il y a un sommeil profond, il y a un sommeil paradoxal, et je vous ai expliqué d'où vient le rêve, comment que vous faites rêve, c'est au niveau du sommeil paradoxal que vous arrivez à faire rêve, et je vous ai dit aussi que cerveau capte image pendant abdomi, c'est un phénomène extraordinaire. Moi conseillez-nous à regarder vidéo ça qui dit mais comment que vous faites rêve pendant abdomi, nous mettre à regarder, la très important pour nous. Et normalement, quand vous avez un problème de sommeil, vous pouvez pas dormir avec facilité, vous êtes sur le lit en pensant sur quelque chose, là vous pouvez pas dormir, ah ben on appelle ça insomnie ou insomnie, ok? En créole, insomnie. Mais en français, on dit insomnie, d'accord? C'est que vous n'avez pas gagné suffisamment de sommeil. Eh bien, là, on fait bagaille, mon cher, ou abdomi. Pourquoi? C'est parce que fait sexe là, li aide ou li mette ou dans un état psychophysiologique. Est-ce que vous comprenez bien? Dans un état psychophysiologique. À partir de là, eh bien, vous pouvez relaxer ou, d'accord? Et puisque fait sexe là, et sperme là, bon, parler de garçon yo d'abord, sperme là, li sorti là, yon construit, j'aimerais te dire non, dans testicule là, dans l'escrotte, les former, et puis, pas entrer l'épididyme, et puis les canals, il va le vrai sperme là, d'ailleurs. Mais normalement, vous allez prendre compte que tout corps activé durant ce rapport sexuel. Et bien, à partir de là, vous venez relaxer ou libérer des mêmes molécules, dopamine et sérotonine. Et à partir de là, et bien, vous avez un état psychophysiologique. Ça veut dire, vous mettez un état de relaxation. Obligatoirement,
mon cher Otemet, insomnie ou abdomi quand même. Comme je vous ai dit tantôt, mon pape kembe nou en pile, trois maladies que fait bagay guéri, c'est maux de tête ou bien migraine, anxiété et puis insomnie. Insomnie, c'est là que ou pas ka dormi. Anxiété, c'est là que ou ap tremble ou un monsieur, bah, ça ou pas ka contrôler tête ou pas ka parler en public. Et puis, maux de tête, c'est là que tête fait mal. D'accord, vous avez aimé ma vidéo. Je sais que oui, c'était Fadiel, Psychovida, une tasse de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit forte. Main dans la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle active. Allez, bonjour, on se reverra dans la prochaine vidéo. Au revoir.